come down. Peaches. Oh, my back is exhausted. I've got Ce trou a fait 5 mètres de diamètre, 50 cm de large et une capacité par objet de 75 litres. Elle a 42 objets et en moyenne l'utilisation, on utilise à peu près, enfin moi j'utilise tout de suite une tonne et demie d'eau par tour. Elle a une puissance nominale de 22 kW et que j'utilise pas parce que je mets un résisteur, un multiplicateur derrière qui me perd la puissance. Elle est tout en acier la roue, en acier soudé. Et tu vois pas d'autre ce que je peux vous dire. Il n'y a pas d'entretien à avoir, à part la peinture une fois par an. Dessus, j'ai une génératrice alimentaire permanente, une 700 tours. Je peux sortir 9 kg. Et je n'utilise pas 9 kg parce que je possède avec mon arrivée d'eau seulement 6 kg maximum. Alors l'eau provient d'où? Hein? L'eau, elle provient d'où? L'eau, elle vient de des sources. Alors j'ai un réservoir d'eau à 400 mètres d'ici. Il y a des sources dessus et 400 mètres après, il y a encore des sources qui alimentent. Le débit d'eau, je ne connais pas exactement. Mais l'hiver, double la capacité, c'est tout. Hein. Ouais, ouais.
Mais l'été, comme tout de suite, on pourrait sortir 2 kilos là. Et en plein hiver, 6 kilos à peu près.